Hello, hello les gens! Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois à Toulon. Et puis bah écoute, moi je vais envie de t'emmener dans un endroit, dans un petit restaurant qui se trouve dans le centre. Donc c'est parti, on va le découvrir parce que j'ai vraiment très très faim. C'est parti, on y va à la recherche du resto en question. Tout simplement, on n'est pas bien loin, donc on continue, on va descendre parce qu'à mon avis, il faut que je continue tout droit vers le port. Donc c'est parti, on y va, on continue. Quelque chose qui me dit que c'est sur cette place ou en tout cas pas loin. Ben maintenant il suffit de chercher, donc on y va. Bien écoute, je me suis plantée, c'était pas sur cette place non plus, donc on continue à descendre. Bon, donc comment te dire, je suis un petit peu déçue parce que j'arrive devant le resto, enfin c'est un resto, un coffee shop plus exactement, donc le coffee shop etc. Qui était censé être ouvert à midi et qui en fin de compte est fermé. Voilà, comment te dire que moi j'ai la dalle et franchement là je sais pas, je vais peut-être m'engouffrer dans un vulgaire snack parce que je sais pas, je vois pas d'autres adresses sur le Varois qui seraient pas très loin du centre-ville. Donc je vais voir. Voilà. Eh bien non, finalement, je n'ai pas atterri dans un vulgaire snack, mais bien au contraire dans un charmant bistrot qui porte le nom de Bistrot Le Puget. J'ai commencé par une salade de camembert fig et, tadam, j'ai fini par un café gourmand à tomber. C'est vraiment une adresse que je recommande parce que franchement, que du bon. J'ai voulu aller à l'Arbre à Bulles, qui normalement est ouvert à partir de 17h, sauf que c'est fermé le lundi et qu'aujourd'hui on est lundi. Voilà. Donc je tenterai le coup des 4 et puis ben voilà. Non, tant pis, je me retrouve une nouvelle fois dans le petit boulangerie-pâtisserie la Tropézienne et maintenant ben, je me prends un petit truc à manger parce que j'ai trop faim. Voilà.